largue les traversiers, les deux odes. En fait, le plus délicat, ça va être de lâcher les odes, les deux en même temps, pour pas que le bateau se mette en coin pour le passage du poteau. On était à l'extérieur de l'écluse pour les raisons que je pense que tout le monde connaît maintenant, parce qu'on est trop large. Donc on était au ponton de la gare maritime. C'est un ponton qui va être occupé par les navires à passagers. Donc Groupama 3 devait quitter le quai à 15h. Donc là, et comme il y a un petit peu de vent qui va arriver cet après-midi, on a préféré faire la manœuvre à midi pour être plus à l'aise dans nos manœuvres. Les risques qu'on rencontre souvent sur ce type de bateau comme Groupama 3, c'est que, et c'est dommage parce que le grand public n'arrive pas à le prendre en considération, c'est la fragilité de nos bateaux. C'est un bateau qui est fait pour faire le tour du monde, mais qui n'est pas fait pour rester au port. Et le bateau est extrêmement fragile, il y a 0,5 mm de carbone de chaque côté de la coque. Les gens ne se rendent pas compte que le moindre impact, ça fait un trou dans le bateau. C'est un bateau qui est extrêmement rigide, mais à l'impact, ça ne tient pas du tout. Donc c'est le gros danger. Pour nous, c'est de toucher quelque chose, d'avoir un bateau spectateur qui nous même une petite touchette peut vraiment faire des dégâts sur le bateau. Donc c'est ça notre plus grosse crainte au mouillage. On va rester à 5 toute la nuit sur le bateau, prêt à intervenir avec les odes, avec nos zodiacs d'insistance autour du bateau. Parce que même la nuit, je me rappelle il y a 4 ans, on était au mouillage, pareil avec Groupama 2. Et même la nuit, on avait du monde qui nous tournait autour. Donc il faut vraiment être vigilant, on va pas beaucoup dormir. Ouais. La route du Rhum, c'est quand même pas anodin. Groupama 3, c'est pas du tout un bateau anodin. Donc heureusement qu'on a un petit peu de tension, un petit peu de pression, parce que ne pas en avoir, c'est pas forcément un bon exemple, mais on est tous très sereins, Franck le premier, et je pense qu'il retransmet bien ça à toute l'équipe technique, et c'est vraiment, vraiment agréable parce que tout se passe vraiment pour l'instant très très bien, et on souhaite que ça dure.